De retour pour le 7e épisode de la série consacrée à la restauration de ma camionnette barbecue Renault 4x4 modèle R2067 de 1956. Bonjour à toutes et à tous, c'est Joseph. Alors c'est Joseph pour qui? C'est Joseph pour quoi? Aujourd'hui c'est Joseph pour un grand jour. Cela fera 5 ans au mois d'août, ok? 5 ans que ma camionnette a pris feu devant chez moi. 5 années durant lesquelles j'ai choisi de tout démonter, puis mettre la restauration en stand-by, puis reprendre, puis arrêter à nouveau, etc, etc, qu'importe. Bref, aujourd'hui, je commence à remonter le barbecue. Entends bien ce que je viens de dire, remonter le barbecue. J'ai bien dit remonter. Tu n'imagines pas à quel point cela me fait du bien de dire ce mot-là. Et au final, je suis heureux de partager ce moment-là avec vous. Donc, désormais, j'ai un châssis restauré, des sous-ensembles aussi restaurés. Je démarre donc le remontage exactement en sens inverse du démontage. Et en l'occurrence, je vais commencer par les lames de suspension. Je m'empresse alors de déballer le kit de pièces et de visserie qui semble flambant neuf. De température. Volé. Je repose alors le châssis sur ses cales, puis à nouveau je lui fais faire un flip pour lui mettre les quatre fers en l'air. Je prends alors 1000 précautions pour ne pas abîmer la peinture. Je te laisse découvrir en image le remontage des suspensions. À ce moment précis, je commets une petite erreur. Heureusement, je vais m'en rendre compte un peu plus tard. Si tu connais bien ce véhicule, essaye toi aussi de deviner quelle erreur je fais. Voilà, ça y est, là je me rends compte qu'il y a un problème. L'épaulement qui est censé bloquer l'axe se trouve de l'autre côté. J'ai monté la lunette à l'envers. Il faut alors tout démonter et remettre à l'endroit.
Alors, je vais montrer quelque chose. Les écrous, les fourches d'amortisseurs sont côté intérieur. Voilà. Donc le camion à l'origine était monté comme ça. Donc je remets, j'ai bien remis ici là les écrous intérieurs. C'est le boulonnage à l'extérieur du camion. Ok. Il est temps pour moi de remettre définitivement le châssis dans le bon sens et cette 7e vidéo s'achève juste ici. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les formuler dans les commentaires, je m'empresserai d'y répondre le plus rapidement possible. Avant de nous quitter, pense à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à promouvoir cette série. Pense à t'abonner pour être informé dès la sortie de la prochaine vidéo.
N'hésite surtout pas à partager massivement sur tes réseaux sociaux préférés. C'était Joseph pour n'importe qui, c'était Joseph pour n'importe quoi, et à très bientôt. Wow.